Hey, salut, c'est Red Burger pour le RPG Week 47. Gabin et ça. Les outils de préparation. Les outils de planification, de préparation de game. J'en ai plein pour toi. Premièrement, Gabin et ça. Ça prend des joueurs. Hein? J'en ai quatre, dont un qui se cache. De l'eau. Bon. Donc, eux autres, là, moi, j'aime ça les avoir. Parce qu'ils font. Ils utilisent pas mal Roll20. Là, je sais pas si on le voit. On le voit peut-être mieux là-bas. Roll20 au tableau. Pas au tableau, mais sur le mur. Fait que j'utilise avec un canon, moi. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est que lorsque je vais leur mettre des slots vides dans Roll20, ils vont pouvoir remplir directement leur background de personnage. Merci, Steve, d'avoir parti. Ben, je veux montrer Roll20. Ah, bon. Choque-toi pas! Dans okay. Ta semaine! Il est juste retardé un peu, lui. Fait que donc, Roll20, on l'utilise, même si on l'utilise... online quand on va jouer des games sur internet, mais on va aussi l'utiliser offline. Fait que quand on va jouer des games IRL, donc toute la gang autour de la table. Maintenant, regarde bien ça. Ce qui va se passer, c'est que moi, dans le fond, je vais utiliser mon Roll20 de mon bord du panel avec branché sur mon compte de Master. Avec un de tes 6 ordi. Avec un de mes 6 ordi. On est pas 6, j'en ai 4. Bon. Yes, et là, mettons que je dis, bon, mais tiens, je vais parler de Armand Duplessis. Bien, c'est lui, ça. Ça, c'est le comte de Richelieu, OK? Le cardinal de Richelieu, plutôt. Fait que moi, je vais le mettre au tableau. Regarde bien ça. Là, vois-tu? Show to the player. Boom! Il apparaît au tableau. Sauf qu'étant donné qu'il est sur un compte joueur de l'autre côté, parce qu'il y a un ordinateur qui est là, ben ça, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça fait en sorte, dans le fond, qu'il ne voit pas mes notes de master ou quoi que ce soit. Hein? C'est-tu assez écœurant, ça? Je me sens comme ça. C'est super bon. Tu capotes, hein? Ouais, je capote. Ouais! C'est aussi bon qu'une poutine de David. Ouais, dis ça, dis-les, là, c'est hot. C'est vraiment hot. Good. Fait que donc, moi, écoute, depuis qu'on a découvert ça fait peut-être un an, on aime bien ça. On aime bien ça, on trippe fort, on échappe des gouttes, tellement on est excité. Ouais, moi. Malade. Ça, c'est la quarantaine, man. OK, on s'en reparle une autre fois. Salut. Bon, là, je te fais une petite interview spéciale de Mathieu, un de mes joueurs. Tu vas voir, il est spécial. Mathieu, comment ça va? Oui, ça va. Tu manges une délicieuse poutine? Oui. C'est bon? C'est délicieux. De où tu l'as pris, ta poutine, Mathieu? Chez David Dan, à Saint-Liboire. Ah ouais? Une des meilleures poutines d'hémisphère nord, je me trompe pas. D'hémisphère nord... En général. La nord du Mississippi. C'est duo, là. Si t'as vraiment un point majeur à dire que ta poutine est bonne, pourquoi, ça serait quoi? C'est la combinaison de tous les ingrédients. Ah ouais? Comme une recette, mettons. À mesure, je vais faire écrire ma prochaine phrase avec « si t'es fatigué, ouais, c'est assez facile. » Ouais, OK. Puis si, mettons, t'avais quelque chose de, je sais pas, comme moins « hot ». Steve. Il est dans ta poutine, lui? C'est mon ricochet. Non, mais OK. Ben, merci d'avoir participé.